Le monde de la cuisine s'est réveillé en deuil mardi 10 mai. Le Parisien a dévoilé le décès brutal d'Antoine Aleno, le fils du célèbre chef Yannick Aleno, dans une coalition avec un chauffard. C'est dans la nuit du 9 au 10 mai que la triste nouvelle a été annoncée, ne tardant pas à faire le tour des réseaux sociaux. Thierry Marx, c'est comme si on perdait un de nos enfants, c'est terrible à 24 ans, tout prédestinait Antoine Aleno à suivre les pas de son père Yannick. Tous les deux étaient propriétaires d'un restaurant de burgers haut de gamme dans le 7e arrondissement de Paris. Interviewé par les journalistes de C'est à vous dans la matinée, Thierry Marx n'a pas pu dissimuler son émotion et sa tristesse face au drame. Le célèbre chef a rendu hommage à Antoine Aleno, se souvenant de lui comme d'un jeune homme extrêmement talentueux, c'était un gamin surdoué en cuisine. Il savait se faire aimer, tout le monde se rappelle de lui comme si c'était lui le boss, a-t-il déclaré. Thierry Marx a également souligné l'énorme potentiel du jeune homme, du haut de ses 24 ans, malgré sa jeunesse, il était déjà chef et chef d'entreprise. Il était sur les traces de son papa, c'est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si on perdait un de nos enfants, c'est terrible, a-t-il confié, vraisemblablement dérouté par ses émotions. Le monde de la cuisine rend hommage à Antoine Aleno suite au décès brutal d'Antoine Aleno. Les hommages se sont multipliés à l'extérieur et à l'intérieur du monde de la gastronomie française. Michel Sarran, qui est apparu dans plusieurs épisodes d'Ici tout commence, a été l'un des premiers à avoir une parole tendre à l'encontre du jeune homme brutalement décédé. « Je suis sous le choc d'un tel drame. Tellement injuste et horrible. Toutes mes pensées pour Yannick et toute la famille », a-t-il écrit sur son profil Instagram. Le chef Mohamed Cheikh a également tenu à faire savoir son chagrin, par une parole réconfortante, une nouvelle avec grande tristesse. Je souhaite à la famille Aleno tout le réconfort, le soutien, le courage et la bienveillance que vous méritez dans ce moment difficile, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Loading widget.